bonjour. Alors sur cette vidéo, vous allez voir, c'est coupé à plusieurs reprises. Qu'est-ce que j'ai merdonné, j'en sais de rien, j'ai même pas compris moi-même. Je me suis tout simplement mélangé les crayons entre au niveau du compteur, entre le temps passé et le compte à rebours. Voilà, donc c'est pas grave. Attention 14 Oscar Delta Romeo 001. Attention Pascal. Attention 14 Oscar Delta Romeo 001. Pour 14 Oscar Delta Romeo 002, qui te lance appel? Ok, voilà, j'ai mis un peu plus de confort. Est-ce que tu m'entends mieux? Et on fait QSY sur le canal habituel du forum? Voilà, donc le temps que tu arrives, voilà, je pense que tu devrais pas être très très loin. Quoique là, tu dois être sur la route. Voilà, est-ce que tu es rendu? Attention Pascal, est-ce que tu es en fréquence? Attention Pascal. Attention Pascal, pour 14 Oscar Delta Romeo 002, est-ce que tu es là? Attention Pascal. Pascal, si tu es là, passe en USB, car j'ai l'impression que tu as basculé en AM par la même occasion. Attention Pascal, est-ce que tu es en fréquence? Bon, Pascal, si tu es en AM, passe en USB, ça passera mieux. Attention Pascal, est-ce que tu es en fréquence? Où est passé l'animal? Attention 14 Oscar Delta Romeo 001 pour 14 Oscar Delta Romeo 002. Ok, tu te rappelles de la fréquence du forum pourtant? Négatif, j'ai dormi depuis. Ok, le canal 25 en normal. Ah ok, bah, j'étais parti sur 25, hein, mais je t'ai pas entendu, j'ai fait des appels, mais je t'ai pas entendu. Le canal 25 normal en uniforme Sierra Bravo, c'est parti pour moi. Voilà, ok, Pascal, alors oui, c'est vrai, là, faut que je te laisse un petit peu le temps d'arriver, voilà, donc là, voilà, là, apparemment, t'as l'air de bien m'entendre, quand même, là, d'après ce que j'ai vu sur la fréquence d'appel. Bon, est-ce que tu es rendu? Ah, j'ai un perturbateur, n'importe quoi. J'ai la propague étrangère qui est arrivée derrière. Est-ce que tu m'entends? Alors, est-ce que tu me copies? Parce que moi, je suis bon, là, c'est bon. Ah oui, affirmatif. Ah oui, je confirme. T'es tellement bien, tellement bon, que là, j'ai le clarifieur qui est au milieu. Hein. Hey, y a quelqu'un qui nous a suivis là derrière, à chi trois coups. Ok Pascal, les bonnes 113-51 à toi, alors est-ce que tu as bien dormi? Very problem.
Aïe, 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 aïe. Bon, attends, bouge pas, Pascal. Je vais voir s'il y a un autre canal plus propre. Ok, parce que j'ai sinon, on était parti sur 27. Ok, c'est parti pour le 27. Le en uniforme Sierra Bravo, pareil. Hein. C'est parti pour le 27. Ok, oh là, là c'est pareil, la fréquence est pas mal occupée. Vas-y, as-tu une meilleure idée? Bon, ok, on va faire avec. Je vais monter un petit peu le volume. Donc là, Pascal, là je suis en train de... Ah, je suis déjà à 23 minutes là de vidéo. Eh ben bordel, quand même. On vient juste de commencer, Hachi. Ok, voilà, je viens de... Ok, oui, je t'ai reçu, il n'y a pas de problème. Le petit blanc que j'ai fait, ça a été pour couper la première vidéo, là, voilà, pour relancer une nouvelle. Hachi, voilà. De toute façon, de mon côté, sur l'ordinateur, je suis déjà prêt. Tout est prêt pour un montage dans les plus brefs délais, Hachi. Donc oui, Pascal, alors, as-tu passé un bon réveillon? Ouais, ben bon, ça va. Faut dire aussi que qu'il est temps que j'allume le ventilateur. Je viens de poser la main sur la chaudière. Voilà, ça commence à se faire sentir un petit peu, quoi. Bon, là, tu vois, je sais pas si toi, tu m'entends clairement. Des stations plus près, à 20 km de QRA à peu près, m'ont dit que... là, je suis sur la position 3. Hein. M'ont dit que là, sur la position 3, ça avait tendance à écraser un peu. Bon, toi là, t'es quand même plus loin, donc là, ça devrait. Je pense que ça devrait être bon. J'ai les aiguilles qui s'affolent de tous les côtés. Ça fait un petit peu warning. Apparemment, avec cette nouvelle chaudière Hachi, mon câble en 4 carrés doit pas être trop. Doit être un petit peu limite. C'est vrai que là, je le touche. Il est juste un poil tiède. Mais il va falloir que je monte à du combien, moi. Non, mais là, on va faire... je vais faire avec, hein. Tant quand même. On va pas exagérer, quand même. On va pas pousser mémé dans les orties, non plus. Ok, mais en tout cas, bon, bonne radio, hein. C'est magnifique, bonne radio. Le Santiago, pour l'instant, j'ai un petit sens de froid, après tout, parce que, bon, moi, je suis assez loin, encore, et je vais m'étonner de faire que ça arrive en commission. Ah, ben disons que tu es devenu une station importante là maintenant aussi, hein, Hachi. Oui, mais bon, là je... Bon, j'approche quand même un petit peu, là, 10 km de chez toi. Ok, bon, ben ça passe bien, là. Tiens, pendant que, puisque j'étais en fréquence, petite question. Attends, d'abord, je regarde un truc. Hein. Je regarde un truc parce que je suis en même temps en direct live sur le forum. Donc là, tu vois, là, on est à 499 membres voilà, inscrits là sur le forum. Donc là, tu vois, là, ça fait un petit peu de monde. Tes pronostics, eh bien, tu vois, là, c'était vraiment très limite. On espérait, tu pensais plutôt, je veux dire, 500 pour Noël. Enfin, tu souhaitais 500 pour Noël. Ah, bon, ben, c'est un petit peu... c'est presque ça, 499. On peut dire que c'est bon quand même. Ouais, voilà, donc, là, pour l'instant, je ne sais pas si tu arrives à me sortir. Je suis un petit peu noyé dans les QRM, là, parce que j'arrive dans une petite commerciale, et du coup, oh.
Ah bah si, tu passes toujours très bien, hein, y a pas de problème, hein, ça marche, hein. Là, ça marche, y a aucun problème. Hein. Ouais, mais bon, tu es avec ton câble, tu es pas avec le 4 carré. Ah, ouais, à sa moustache. J'ai des stations qui sont FM, là, par moment, la réception est un petit peu difficile. Ouais, là, je me fais un petit peu envahir, là, au niveau de la fréquence. Attends, voilà, je suis en train de remettre... voilà, j'ai fait un petit zapping en même temps, là, sur le forum, là, pour la vidéo. Voilà. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Oui, bon, là, t'as vu, là, pour... ouais, on va faire... Tiens, vu qu'on arrive en fin d'année, voilà. Voilà, vu qu'on arrive en fin d'année, qu'est-ce que tu penses, là, du bilan, on va dire, Forum 2014, et puis en même temps la CB, parce que l'un va avec l'autre. Alors, tout n'est pas... attends, deux secondes. Voilà, attends, je... Ne quitte pas, ne bouge pas, voilà. Je reste en fréquence. Ok, nous revoilà sur une nouvelle vidéo. Ok, ouais, je fais des vidéos d'une vingtaine de minutes à peu près chacune. Hein. Voilà, dommage que là, il y a... la fréquence est occupée là en FM. Là, il y a des stations FM, ce qui fait que tout n'est pas passé. Donc je vais récapituler un petit peu. Bon, c'est vrai que le forum a pris une expansion formidable. C'est vrai que là c'est parti au-delà de ce que l'on pensait. Et est venu par la suite se greffer là-dessus l'association. Pour résumer, c'est le forum qui est passé sous association loi 1901, évidemment. De là, des ateliers, ou plutôt un atelier s'est lancé, avec qui est toujours en cours hein, d'ailleurs, avec la mise en place de dispositifs ISR directement incorporés dans les postes de CB pour une utilisation plus utile, car c'est vrai qu'en France, la CB est surtout loisir. Mais il ne faut pas oublier qu'elle peut être aussi très utile. Donc on a toujours cet atelier en cours, d'autres ateliers en projet également, plus les salons et expéditions qui sont en cours de projet. J'ai bien résumé là, Pascal? Tout à fait, hein, c'était tout à fait ça, impeccable. Et puis, c'est vrai que bon, pour cette année, comme j'ai dit, on va essayer de retrouver quelque chose pour un peu surprendre et faire différent des autres forums ou des autres associations et tout ça, et sans oublier bien évidemment les signaleurs, les DXeurs, et puis toujours essayer de côtoyer, de faire côtoyer les radioamateurs avec les civistes, voilà.
ben voilà, ouais, c'est vrai que là aussi, il y a un chantier d'envergure. Hachi. j'ai baissé d'un cran la chaudière. Je me dis, c'est pas la peine que je reste en position 3. La température est bonne, là au QRA, il n'y a pas de souci. J'ai la main là, directement là-dessus, là sur le poêle. J'ai le ventilateur qui est en marche, hein, donc je suis descendu de la position 2. C'est bien suffisant. Je pense que la radio devrait être un petit peu plus claire même là. Ok, voilà. Ok, d'accord. Et qu'est-ce que je veux dire? Est-ce que tu as une idée du prochain salon avant d'arriver à Marennes? À moins que tu préfères ne pas trop en dévoiler pour le moment. Alors pour l'instant, moi je sais que je serai à Clermont dans l'Oise. C'est un des premiers salons de l'année auquel je me rends. Donc après, je ne sais pas que ça sera sûrement en tant que visiteur, mais pas exposant. Ouais, d'accord. Bon, de toute façon, en tant que visiteur, ça serait quand même sous le nom de l'association, c'est-à-dire FFODR. Voilà, tout à fait. Et puis, ensuite, il y aura des petits, mais on mettra un calendrier des salons en expo, etc., sur Formable, pour que ça soit plus pratique. Ah oui, d'accord, ok, ouais. Ah oui, effectivement, ouais, ouais, ça c'est une bonne idée, ça, ouais, t'as raison, ouais. Voilà, et alors pour l'instant, alors donc, entre parenthèses, le soleil, il y a un petit rayon de soleil, ça fait du bien, le brouillard a l'air de dissiper en arrivant par chez toi, mais bon, là pour l'instant, alors donc, question de radio, c'est toujours impeccable, ça peut changer, mais évidemment, vu que je me rapproche, Santiago, bah, il monte aussi, c'est impeccable hein, pour moi. Ok, voilà, on en démarre encore une autre, voilà, on continue comme ça. Là, il va y avoir du stock. Ah, chi. Ok, donc là, tu es pas loin du département 33, là, c'est ça? Eh ben, là, j'approche, hein, donc, là, pour l'instant, si tu veux, voilà, j'ai passé un petit village qui était un peu dans le brouillard, du coup, j'ai pas vu les panneaux, mais bon, ben, je rapproche de peut-être à 20, parce qu'en fait, je suis un camion, une ribambelle de camion, et là, on est à 6 kilos, hein, donc, tu vois, c'est pas vite, hein, c'est la chie. Ouais, quand même. Voilà, là, je viens de faire un petit zoom, là, justement, là sur le poste. Tu passes bien ici, hein, c'est du bon Sainte-Gonef, hein, quand même, hein, malgré la distance. Et malgré que je sois caché, là, dans mon trou, là. Ah ouais, mais comme j'ai dit tout à l'heure, je t'entends beaucoup mieux que la dernière fois, depuis beaucoup plus loin. Alors que toi, c'était plutôt étonnant, c'était parce que moi, je pensais que c'était moi qui avais moins de puissance, qui empêchait un petit peu d'aller un peu plus loin. Mais en fin de compte, c'est vrai que comme tu étais placé derrière une colline, et le fait qu'il y ait un petit radiateur, c'est vrai que c'est le top, là. C'est vraiment QRO, là. Hein. Ouais, donc, vu que c'est du téléphone, attends, je relâche le micro. Voilà, bon, là, ce coup-ci, je suis descendu sur la position 1. Là, au niveau du poil. Ouais, j'ai la main dessus, tu vois, là, le radiateur, il fait bien son travail. Bon, le ventilateur aussi, hein, voilà. Il va peut-être falloir quand même que je rajoute quand même quelque chose dessus. Donc, je pensais pas, vu que bon, il y a quand même 6 positions dessus. Le maximum où je suis allé, c'est la position 3. Bon, il chauffait quand même bien malgré tout. Là, il chauffe un petit peu plus que je le pensais. Pourtant, là, je suis allé à 8-10 watts autour de ça, voilà, en entrée. Et là, en sortie, maintenant, ouais, je dois être à 60, là, en sortie, hein, par rapport à tout à l'heure où c'était bien plus. Hein. Alors, ta module, là, vu que t'es redescendu,
3, mais alors sur une superbe radio, hein, pas de problème. Côte-Sivlet était monté à 5, hein, en Santiago, là. Et pour l'instant, c'est nickel, nickel, impeccable. Hein, alors, toujours une bonne radio, ça déforme pas, la module est super bonne. Ok, là je suis avec le micro Alan. Hein. Et là, il n'y a pas un petit peu des rétropropagues là qui se fait sentir là d'un seul coup derrière? Là, je sais pas, il me semble sentir quelque chose. Ah bah ça y est, ça a disparu. Je me trompe, non? Il n'y a pas eu quelque chose? Ah, tu vas déjà le machin et après se claquer de l'autre côté là, Ah, depuis tout à l'heure là, que je te parle, là, ouais, je suis avec le micro, attends que je le montre, voilà, il ne faut pas que je gueule quand même dans la caméra, sinon on va venir me dire que j'ai une grande gueule après, achi. Ouais, donc je suis avec le micro Alan, le F24, là, modifié, modification OM, et donc il est un peu moins percutant que l'autre que j'ai à côté, le TW232DX. Alors, tu vois que déjà, ne serait-ce que celui-ci, il est quand même pas mal. Peut-être que je vais pouvoir, en fin de compte, par la suite, baisser un peu le pré-ampli, malgré tout. Hein. Ok, alors là, je passe en vie. Alors, je ne sais pas si tu me copies. Bon, en tout cas, ça a cliqué dans l'ensemble de 7, là, d'un coup, là. La chine. Ben, attends, c'est pas logique. Là, je suis... Bon, l'écho du micro est à zéro. Même mieux que ça, l'écho est coupé. Hein. L'écho est coupé. Est coupé par son alimentation. Je remets en marche l'écho du micro tout en gardant le curseur à zéro. Et tu me dis que ça fait monter le niveau. Ah, attends, il y a quelque chose, il y a Anguille sur Roche. Hein. Attends, vous voyez un peu le coup de sifflet. Ben, je viens de faire le test en marche et éteint. J'ai pas vu de différence là au coup de sifflet là sur le 8 mètres. Ok, alors là, pour l'instant là, je suis passé en ville, ça fait que ça modifie complètement les données. Ben ouais, voilà, ouais, ça m'étonne pas quoi. Là tu es t'as fait gaffe au nom de l'endroit où tu es là? J'ai juste vu boulangerie hein. Non mais tu changes pas toi hein. Alors le truc quand t'as fait le test là, ton Santiago est monté jusqu'à 7, ensuite quand t'as dit que t'étais revenu à la normale, il était revenu très en bas quoi, normalement, enfin là j'ai eu un Santiago de 3. Ok, attends, je regarde. Ouais, 23 minutes pour celle-ci. Attends, allez, c'est reparti pour une nouvelle vidéo. Ok, j'ai pas compté là combien on est là. Mais bon, là je suis environ des vidéos de 20-25 minutes. Hein. Donc après, ben, il n'y aura plus qu'à monter tout ça. Et puis mettre ça sur le ben, déjà pour commencer sur le YouTube du forum. Voilà, ok, tu sais, il y en a, ils te disent, je reviens à ce que tu m'as dit, là, à propos de la boulangerie, il y en a, ils te disent, tu tournes au bar un tel, après, tu tournes à l'autre bar un tel, toi, c'est les boulangeries que tu cibles. On se demande pourquoi. Ah si, alors là, je te dis pas, là, ton Santiago, il est monté, mais en flèche, là, j'ai un Santiago de 7, qui est, voire 9, hein. Ah quand même. Eh, je peux si je dois baisser plus, il faut que j'éteigne Santiago de 7. Ouais, bon, ça va encore. Je vais encore garder pour le moment la chaudière allumée. Ouais. Quand tu me diras Santiago de 9, là OK, je couperai la chaudière et je remonterai la puissance du poste. Ça sera un peu plus confortable. OK, ben là, pour l'instant là, ok, d'accord. Attends, voilà, j'ai fait un petit roulage de micro. Je vais éteindre la chaudière et puis monter la puissance du poste. Ok, alors là... C'est bon. Voilà, ok, voilà. Donc là...
Ouais, je suis à... Ouais, 13-14 watts. Là, je suis à 13-14 watts. Tu dois pas être très très loin, alors, en fin de compte, là. Eh ben, non, en fin de compte, là, c'est vrai que j'approche et moi, là, j'ai juste vu un moulin. Un moulin, et puis, là, maintenant, là, je vais approcher près d'un passage à niveau. Bon, d'accord, ok. Pour que ça soit encore plus confortable, vu la proximité, on va passer en AM, tu es d'accord? Ok, c'est parti. Voilà, ok, ouais, voilà, comme ça, moi, il n'y aura pas besoin pas de problème de clarifiage à cause du trop près. Enfin, je veux dire par là que plus c'est près, et plus la BLU devient chiante. voilà, alors que là, ça va être du grand confort. Là, ça, tu dois bien m'entendre. Pascal? Attention, Pascal. Hey, Pascal, tu es passé où? Je crois que nous avons perdu Pascal. Attention Pascal, est-ce que tu es là? Alors, ce branleur de Pascal, il est en train de me faire une blague. Il croit que je ne l'ai pas vu. Mais là, il est en train de reculer là chez moi. Et il est stationné là devant la porte. Ok, donc tout va bien de son côté. Je vous dis bonne 113-51, bonne journée et à plus tard. Vas-y, entrez. Eh bien, voilà. Me voilà donc à la maison. Donc, je vous présente Pascal, le président de l'association FFODR, administrateur du forum Les Ondes de Routier, qui vous dit bien le bonjour. Voilà, bonjour à tous. Et puis, bonne année. Prochaine pour ce forum. Voilà. Thank you.
Là, cette Skyper, hein, tout le monde en a une. Hein. Et tu vas pas arriver à le briquer. Putain, dis donc, il a la balle. Hein, ah oui. Ah, c'est un vrai passionné, quoi. Ah oui, depuis Tenerife. Vas-y, profite de la station. T'arrives à démonter le truc. Vas-y, vas-y, rentre. Ça va ? Oui, voilà, c'est ce que j'ai récupéré, c'est une vieille alimentation. Là, tu sais, les banques sont à l'arrière. C'est pas si bien que ça. Tu vois, tout à l'heure, le genre de conneries que j'ai fait, c'est alors pour que j'écoute aussi souvent les vidéos. Donc, je suis à ça, et je suis con, c'est un compte à rebours. Alors, à chaque fois, quand je voyais le 12h25, d'accord. Ce qui fait que. Ben, c'est là que c'est pas une blague. Bah, on va faire des plus pratiques après pour faire la vidéo. Ouais, mais bon, de toute façon, en début de vidéo, je crois que j'ai rajouté un petit commentaire pour dire que, bon, bah, plus qu'on le fait, c'est moi qui déconne. La vidéo, j'aurais pu la coquiner d'une traite, hein, au lieu de tronçonner comme j'ai fait, quoi. Ah ben non. Alors tu peux la tronçonner, tu peux dire une vidéo de 20 minutes. La vidéo, tu l'as fait, mettons, 20 minutes. Comme ça, ça a besoin de... Ah ben après, ouais, tu n'as pas mis sans savoir que tu fais un truc de 20... Tu continues 20 minutes. Ouais, ben je vais, ouais, je vais recoller bout à bout. Voilà. Oh, c'est vrai que dans le fond, moi j'ai fait carrément une boîte de dérivation. Ouais. Ouais, ouais, parce que c'est vrai que là, on a que les petits dominos qu'on voit là. Bah ouais. On est tous, c'est que là, tu vois, on voit la fréquence, les canaux.
Alors pour les canaux, alors comme sur le RCI, parce que de toute façon c'est la même chose. Attends, histoire de faire de conneries, je vais être je m'éteins, le ventilateur, il y a beaucoup de ça pour demain, et j'appuie sur l'op. Et je clique à la skill en AM. D'accord. Et là voilà. Et si je veux savoir à quoi correspond, à quelle fréquence correspond, je vais appuyer encore une fois sur l'op, et je vais afficher avec la fréquence. D'accord. Et je fais bien un défi. D'accord. Et donc voilà, tout à l'heure. Donc tout à l'heure, voilà, on était là. Donc moi, je suis passé de l'âme à l'autre directement. Donc, j'ai pas eu de l'âme sur tout à voilà, je suis rappelé sur l'âme. Donc là, voilà.